Donc une conférence, merci d'abord, merci d'être venu, merci à tous. Une conférence assez paradoxale, bon, un titre déjà qui, bon, beaucoup d'entre vous connaissent sûrement la radioastronomie, mais d'autres non. Donc l'association de l'astronomie et des micro-ondes, donc l'astronomie, on regarde le ciel, hein, donc quand on va chercher l'étymologie de regarder, c'est avec la vue. Donc en radioastronomie, on ne peut pas travailler avec la vue, on travaille donc avec la radio. Donc ça implique d'avoir des antennes et d'avoir un récepteur. Et en fait, on écoute le ciel. On l'observe, certes, mais on l'écoute. On ne le regarde pas vraiment, en tout cas pas avec les yeux. Donc ça, c'est le premier paradoxe. Le deuxième paradoxe, c'est que je vais vous parler de quelque chose qui est assez exotique, pour ne pas dire énigmatique, donc ces fameux FRB, donc sursaut radio rapide en français. Donc j'utiliserai l'acronyme anglais après, FRB, parce que c'est plus pratique, hein, ça fait SSR, c'est pas très facile à dire. Donc, c'est assez énigmatique, c'est les derniers objets, alors je peux pas dire objets non plus, parce qu'en fait c'est plutôt des phénomènes, parce que vous verrez, on ne sait pas les raccrocher à un objet que l'on observe, en fait c'est un signal qui vient, entre guillemets, de rien, pour le moment en tout cas, on reparlera de ça à la fin. Ça c'est le premier point, donc c'est très récent, et puis c'est assez aride, parce que bah, les FRB c'est pas très photogénique, enfin radioastronomie c'est pas photogénique, donc il y aura très peu de photos du ciel, par définition, il y en aura une, c'est tout. Donc comme je vous l'ai dit, bah, on écoute, donc là j'ai choisi de faire quelque chose qui est assez délicat, c'est une conférence dans la conférence, pour que tout le monde s'y retrouve. Donc, ceux qui sont férus d'astronomie, entre guillemets, ben, leur apporter des vraies informations autour des FRB, que je vais essayer en tout cas de vulgariser, hein, je vous rassure tout de suite. Donc, le premier quart d'heure sera peut-être le plus aride sur cette partie-là, mais je veux dire, on va essayer de faire ça, disons, clairement, et ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, comme disait Boileau, donc on doit y arriver. Et puis ensuite, donc, la conférence dans la conférence, c'est un peu modestement du Lelouch, hein, je n'ai pas du tout la prétention de faire du... d'être aussi bon que lui, mais c'est donc faire une deuxième conférence. Donc cette deuxième conférence, c'était bien expliqué dans l'abstract, c'est en fait de reprendre l'histoire de la radioastronomie, c'est-à-dire comment on en est arrivé. Et puis, en fait, dans la dernière partie, on reprendra l'affaire des FRB, parce que vous allez voir, c'est une affaire, c'est très intéressant sur l'analyse des méthodes de recherche, enfin tout ça, la sociologie de la recherche, on va dire, hein, de la publication des résultats scientifiques, d'une part. Et puis, donc l'épilogue, bah, on écoutera rapidement, mais le ciel, je vous ferai un panorama acoustique du ciel, je crois que c'est assez original. Bon, on fera peut-être un peu siffler les sonotones, hein, parce que, bon, c'est des sons qui sont un peu dans l'aigu. Donc ici, on a une bonne installation, moi je les ai écoutés au casque chez moi, il y a des choses qui sont assez étonnantes. Je pense que ça devrait rendre, vous n'aurez pas forcément la stéréo, on aura un chorus jovien en stéréo, hein, donc à gauche à 23 mégas et à gauche à 22 mégas, donc ça donne des effets de volume, je ne sais pas si vous les aurez, ceux qui sont à peu près au centre devraient avoir ces effets. Voilà, donc voilà le programme de la... qui est assez copieux, donc on est parti pour bah, 1h15 à peu près, donc on va démarrer, donc vous allez voir, il ne faut pas que je tourne la tête, vous allez voir le radiotélescope, je vais le remettre pour que ça se refasse une fois, donc un radiotélescope qui apparaît là dans la nuit, donc c'est celui qui est basé en Australie, la seule fois que je vous le présenterai, Park. Et c'est là qu'en fait l'affaire des FRB a démarré. Donc c'est là que la découverte a été faite, pour la première fois en 2007. Et moi j'appelle ça l'affaire des intermittents radio. Alors il y a quelques enseignants dans la salle. Hein. Bon, point commun qu'on a, c'est souvent on est habitué à parler des gens qui ne nous écoutent pas, mais on a aussi des intermittents. Hein. Donc à la fac, on en a pas mal. Alors il y en a l'intermittent ultime, c'est celui qu'on voit au premier cours et qu'on ne verra jamais. Donc, bah, les FRB radio, c'est un peu ça. Hein. Les FRB, c'est des intermittents en radioastronomie, mais vous les verrez qu'un coup, c'est comme les allumettes, ça marche qu'une fois. Bon. C'est très curieux, c'est très énigmatique. Donc, on va faire un petit panorama de la presse, entre guillemets, vulgarisation, parce que la grande presse de vulgarisation en parle, en a parlé. Donc ici, vous avez une newsletter web qui est Popular Science, qui vous dit clairement bah, que ça vient de très loin, hein, au-delà de notre galaxie. Ensuite, je vous ai mis le New Scientist, qui a fait un article avec ici un radiotélescope que je ne montrerai pas, qui est au Canada, qui a découvert quelques FRB. On a évidemment Science et Vie. Donc Science et Vie, qui en général est assez enclin à publier très vite, n'a curieusement pas fait de dossier dessus. Hein, par contre, j'ai un numéro dans lequel il y a les anomalies de l'univers, les signaux étranges dans lequel c'est évoqué.
Ensuite, on a évidemment la recherche. Donc la recherche, il n'y a pas non plus d'articles francs dessus, c'est des entrefilets. Je vous ai mis ici un hors-série sur le système solaire. Si vous faites une recherche sur le site, vous verrez qu'en fait, ils suivent l'affaire. Donc régulièrement, ils informent, ils n'ont pas fait de dossier dessus. Les seuls à avoir osé, c'est pour la science, en 2014, avant le drame, je veux dire, parce que vous verrez, il y a un drame. Et donc voilà, donc c'est quand même des choses qui sont évoquées dans la vulgarisation, mais de manière assez sibylline, hein, parce que c'est assez énigmatique, et puis c'est vrai que c'est assez aride l'explication, donc c'était ça aussi le défi de vous parler de ces phénomènes un peu particuliers. Donc on va peut-être commencer par à quoi ressemble un FRB. Donc ici, on voit 25, alors vous savez, effectivement, c'est pas très photogénique, donc surtout vous levez pas, ne partez pas, sinon s'il nous parle pendant une heure et quart, ce genre de choses, ça va être horrible. Bon, un FRB, c'est ça. Alors, je me disais, là, finalement, ce matin, à la fin, on pourrait faire un quiz, on n'aura pas le temps, mais sur les 25, là, après la conférence, je pense que vous serez formés pour reconnaître les vrais FRB des faux FRB. Parce qu'en fait, il y en a des faux. Il y en a qui sont pas bio, entre guillemets, hein, pour prendre... Il y a du FRB trafiqué et du FRB genuine, c'est-à-dire du vrai FRB. Donc, c'est ça, l'affaire. Donc, commençons par le début. Donc, le début, c'est Laurie Meubb. Donc, il est professeur à l'Université de Virginie aux États-Unis en radioastronomie. Et donc, il publie dans Science, qui est une grande revue scientifique à facteur d'impact très élevé. Donc, quand on publie dans cette revue, déjà, il faut être accepté, puis c'est vraiment pour des choses importantes. Donc, le papier historique en 2007 qui acte la découverte de ces FRB. Donc, dans le titre, vous lisez, en fait, donc, la notion de burst. Donc, en anglais, burst, c'est une rafale, une giclée, un sursaut. Donc, c'est un petit signal radio très lumineux de quelques millisecondes. Voilà. Et qui vient hors de la galaxie. Donc, où ? Quel endroit ? Donc, c'est le petit nuage de Magellan. Donc, les deux nuages, les voilà. Alors, quand on cherche sur Internet, j'ai eu un peu un doute. Même si à une époque j'ai mis le nez derrière un télescope ou une lunette, un coup le petit nuage était à droite, un coup il était à gauche. On lui dit, tiens, c'est Emmanuel, mais non, ça n'a rien à voir. Hein, il y a la position à gauche, la position normale dans le ciel, et la position inversée quand vous regardez dans un instrument. Donc on trouve les deux. Voilà. Donc il n'y a pas de souci, dans l'espace, sinon il n'y a pas de gauche-droite, heureusement. Donc plus précisément, donc en fait, celui qui a fait le travail, je tiens à le dire, donc je n'ai pas pu trouver sa photo, c'est M. Narkevich, donc qui est un étudiant, on dirait ici, de M2, qui est arrivé dans l'équipe de Laurie Meubb, comme chez nous, et donc en stage. Et son stage, c'était pour faire donc, de l'astronomie, ce n'est pas très glamour comme vous l'imaginez, puisqu'en fait, il s'est retrouvé à traiter des données du radiotélescope que je vous ai affiché, là, juste avant de démarrer, dans la lumière de la nuit. Voilà. Et donc, le cahier des charges, c'était de trouver des signaux relativement forts. Donc, on parle signal sur bruit, donc ce qu'on récupère sur le bruit. Donc, il y a trois fois plus de signal que le bruit, en clair, simplement. Et des signaux de petite durée. Parce qu'en fait, vous verrez, on en écoutera un, il y a des pulsars très rapides, maintenant. Donc, c'était ça, la recherche. C'était pas évidemment les FRB, puisqu'on savait pas ce que c'était. Donc, on travaille à 1,4 GHz. Donc, c'est la fameuse fréquence de l'hydrogène, hein, 21 cm. Donc on a plusieurs fréquences, hein, on a un système qui est multifréquent, on fait des enregistrements. Ce qui est important, c'est qu'on a 13 positions, c'est-à-dire que le radiotélescope est capable de voir en 13 positions différentes en même temps, parce qu'il y a des lobes, hein, sur une antenne, il y a des lobes de rayonnement, donc il y a 13 lobes qui travaillent simultanément, donc c'est intéressant parce qu'on fait 13 observations, finalement. Et donc ici, voilà la carte qui a été... je vais peut-être utiliser le pointeur, oui, non, ça va. Donc, en fait, ça, c'est la carte que vous trouvez dans l'article. Donc, du petit nuage, là, de Magellan. Je ne ressemble pas tout à fait à la photo de tout à l'heure. Donc, vous avez ici la vision infrarouge avec des satellites. Donc, en fait, ce que vous voyez, c'est les émissions dans l'infrarouge. Donc, je vous ai mis ici le spectre de l'hydrogène avec, il y a certains étudiants qui connaissent ça, hein, donc la série de Balmer qui est dans le visible. Donc dans la série de Balmer, vous avez une raie qu'on appelle la BA alpha, la Balmer alpha, qui est située dans le rouge. Donc normalement, le nuage de Magellan devrait être rouge, rose, or vous avez vu, il est violet. Donc pourquoi il est violet? Parce qu'il y a un phénomène de décalage des longueurs d'onde, on dit redshifté, c'est-à-dire décalé vers le rouge, à cause de l'expansion de l'univers. Donc ça veut dire cette raie qui est rouge sur Terre, dans la galaxie qui s'éloigne de nous, à cause de l'expansion, la raie décalée se trouve dans l'infrarouge. Donc la rouge a disparu, et dans l'infrarouge, ça me donne les fausses images que j'ai au-dessus,
Et puis donc, vous avez en grisé, ici, pardon, là, cette zone grisée, c'est en fait tout ce qui répond en barium alpha, en balmer alpha, pardon, je veux à tout prix que ce soit du barium. Je suis en spectroscopie, je suis en train de faire de la chimie. Donc ça, ça signifie qu'il y a de la matière, il y a de l'hydrogène, hein, et puis la limite à côté en noir, c'est d'autres raies qu'on appelle les raies de l'hydrogène 2, en fait c'est des transitions interdites, c'est un peu compliqué à expliquer, mais ce qui est important pour vous, c'est de comprendre qu'il y a de la matière, il y a de l'hydrogène, là, et puis dans le reste de la fenêtre, il n'y a rien. Et puis vous avez en bas les 13 positions d'observation. Et donc en fait, bingo, donc ça s'est fait en 2007, et je vous rappelle qu'ils travaillent sur des archives, et donc ils trouvent sur un enregistrement du 24 août 2001 un signal très très important dans une des points de mesure, en tout cas en rouge en noir. Donc ce signal est très très fort, beaucoup plus fort que prévu, puisqu'il sature même certains récepteurs, donc il est anormalement élevé. Il dure un temps très court, quelques millisecondes, et voilà à quoi il ressemble. Donc c'est un mode de représentation qui n'est pas du tout propre à la radioastronomie, hein. C'est les analyseurs de spectre en fait, hein. Donc vous avez d'un côté, ici vous avez la fréquence, donc la fréquence centrale 1,4 est là, donc vous avez tout un tas de canaux qui mesurent, là il y a un canal qui n'a pas fonctionné, ça vous fait la raie noire, donc là on regarde chaque fréquence en fonction du temps, et on voit passer ce phénomène là au milieu. Donc ici vous avez une coupe sur une fréquence, donc sur une fréquence on le voit passer et il se balade, il est glissant, la fréquence est glissante, hein, se déplace en fonction du temps. Ça c'est la signature d'ailleurs de quelque chose qui vient de l'espace, hein, parce que c'est un phénomène d'atténuation en fréquence à la, disons, au carré, avec un coefficient donc négatif, et ça c'est une signature donc d'un signal qui a traversé des plasmas, des zones ionisées qui ont donc provoqué ce phénomène. Donc il y a trois éléments qui sont relevés par le RIMER. La dispersion fréquentielle, je vous dis ça c'est très important, c'est pas propre au FRB en fait, hein. Donc une variation en fonction du temps, en fonction de la fréquence, donc en 1 sur F2. À partir de ça, on mesure ce qu'on appelle le DM. Donc le DM c'est très important parce que c'est la dispersion du signal. C'est avec ça qu'on remonte à la distance. Moi ça m'a intéressé d'en parler parce que même à titre personnel je voulais comprendre, j'avais jamais vraiment regardé ça de très près. Donc en fait le DM c'est le niveau de dispersion du signal, le DM, hein, et en fait c'est l'intégrale sur le parcours, la distance CD, donc la somme de toutes les espèces ionisées qu'on a rencontrées. Donc les espèces ionisées, ben, c'est essentiellement de l'hydrogène. Voilà. Donc plus on en rencontre, plus on est atténué. Donc cette valeur-là, plus elle est importante, plus ça veut dire qu'on est loin. Puis on a des idées de cette valeur dans le milieu galactique. Donc le DM qui est trouvé relativement élevé, 375, donc les unités c'est bizarre, hein, c'est des parsecs, les parsecs c'est une unité de longueur, c'est 3,6 années-lumière, donc par centimètre cube, donc voilà c'est très fort. Ensuite il y a une autre variation, je passe très vite dessus parce qu'elle n'a pas forcément beaucoup d'intérêt, on a mesuré la quantité d'énergie qu'on a récupérée, donc c'est un flux, donc les unités c'est du Jansky, donc vous savez probablement pas ce que c'est, vous allez savoir tout à l'heure, hein, c'est en l'honneur d'un des grand-père de la radioastronomie, on va dire. Et puis, donc, à partir de ces éléments, l'élément 1, l'élément 2, ça prouve qu'on a un signal qui vient donc hors de l'atmosphère terrestre, et puis, donc, qui n'est visible que sur une des baies de visée, sur les 13. Donc, tout ça permet de dire que c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Donc, ensuite, ils ont demandé 40 heures d'observation, hein, en avril 2007, et ils n'ont rien vu, dans la même direction. Donc, il y a eu une fois le signal, et c'est tout. Donc ensuite, à combien de distance? Alors rapidement, niveau de dispersion mesuré donc, est élevé, hein, comme je viens de le dire. Donc le modèle dans la galaxie, c'est très faible, c'est autour de 25. Donc là, vous voyez, on est beaucoup plus fort, donc ça veut dire qu'on est forcément, on a traversé plus de matière qu'il y en a dans la galaxie. Donc ensuite, ils sont allés voir les pulsars. Alors les pulsars, vous ne savez peut-être pas ce que c'est, on en écoutera tout à l'heure, c'est des étoiles, c'est des balises radio, entre guillemets. Ça émet un signal périodique radio, quoi. Et donc les pulsars sont connus, et donc dans les 18 pulsars qu'il y a dans le coin, le plus éloigné a un DM de 250. Donc ça veut dire qu'on a observé bien encore plus loin. Hein. En plus, le phénomène est hors de la zone H2. Donc la zone H2, c'est où j'ai de l'hydrogène. Donc là, le signal il vient d'une zone où il n'y a pas d'hydrogène, et pourtant il est très atténué. Donc ça implique qu'il a parcouru une distance qui est très très importante, puisqu'il a fallu qu'il soit atténué. Donc ça veut dire qu'il est très très loin par rapport au nuage qu'on observe en hydrogène.
Donc, on est sur un phénomène très éloigné, qui est au-delà du nuage de Magellan. Donc, Magellan, c'est l'approche banlieue, on va dire. Hein. C'est ce que va dire Vincent, hein, par rapport à la galaxie. Bon, on est quand même à combien, 200 000 années-lumière, hein, c'est ça. Donc, ça fait quand même... Enfin, vous pouvez prendre un bouquin avant la prochaine station. Donc, ils ont observé les galaxies potentielles. Donc, il y en a une dans le catalogue des galaxies. Mais en fait, non, parce qu'elle est un peu trop au sud. Donc, ça ne colle pas du tout au niveau de la direction. Ensuite, ils sont allés voir les supernovas et les sursauts X. Hein, donc, s'il n'y a pas une supernova, c'est une étoile qui explose. Hein, c'est un phénomène aussi qui se produit qu'une fois. Mais il n'y a rien de tout ça dans la région. Donc, si ce n'est pas dans le catalogue, ça implique... La magnitude, c'est l'intensité, on va dire, de l'objet. Donc, ça implique des choses sur la distance. Et grosso modo, ils en déduisent une distance d'1,7 milliard d'années-lumière, hein, ce qui est quand même considérable. Ce petit signal, là, qui a duré quelques millisecondes, a été émis donc il y a 1,7 milliard d'années. Hein, donc c'est assez dément. Donc c'est quoi ? Ben, à partir de la durée du flux et de la distance, on peut estimer la brillance. Donc la brillance, c'est une température, comme vous l'avez quand vous achetez une lampe. Alors la valeur peut vous affoler. Après, il y a des quasars qui ont des valeurs plus importantes, et puis des sources radio, ça a des brillances qui sont assez importantes. Par contre, quand on regarde l'énergie émise, là, effectivement, on a affaire à quelque chose de très sérieux. Alors là, c'est des valeurs qui ne nous disent pas grand-chose. Dans les ouvrages de vulgarisation, on évoque la puissance du Soleil pendant un mois qui est émise pendant 7 millisecondes. Voilà. Bon, je ne sais pas ce que ça vaut, hein. Bon, c'est des espèces d'extrapolations. En tout cas, il y a beaucoup d'énergie. Donc, compte tenu de ce niveau d'énergie, on est obligé, la physique théorique vous dit que c'est quelque chose d'assez compact. Donc compact, c'est un tiers de la Terre à peu près, donc c'est relativement petit, et donc c'est très actif. Donc l'objet, ben, au départ, on pense à des pulsars un peu particuliers qu'on appelle les RAT, qui sont des systèmes assez récents, mais il y a plein d'effets secondaires. Ça n'arrive pas qu'une fois, et puis il y a plein de phénomènes autour, donc c'est pas possible. Donc très rapidement, ils arrivent à la conclusion, on appelle ça d'ailleurs... pendant quelques années, les Lorimer Burst, on a découvert un nouveau phénomène en radioastronomie que très rapidement on appelle les FRD. Voilà. Donc il n'y en a qu'un pour le moment, hein, donc très intense, compact et finalement relativement rare. Donc la confirmation arrive très vite, quatre nouveaux FRB avec Keane et puis Thornton. Thornton, c'est un étudiant qui est en thèse, hein, donc lors de sa thèse de doctorat, mais il découvre deux FRB. Je trouve que c'est assez sympa. Et puis ensuite, on a l'emballement. Alors l'emballement, bah, ça c'est classique en science. J'ai utilisé un outil de recherche biblio qui m'a bien plu, qui s'appelle l'Astrophysique Data System, qui permet pas d'avoir des articles, mais qui est très efficace en astrophysique, parce que Science Directe, finalement, ne fonctionnait pas très bien. Je dis ça plus pour mes collègues. Là, j'ai reporté le nombre cumulé d'articles en fonction de la date de parution. Donc le 2007, le premier Lorimer. Donc ça ressemble à une exponentielle. Hein. Alors, c'est-à-dire le dernier point, hein, 2009, n'y est pas. Et c'est normal. On est au mois de mars. Hein. Enfin, maintenant, on est en avril, quand j'ai préparé ça. Donc c'est fort à parier qu'il y aura largement 250 en fin d'année. Donc ça, c'est la preuve que c'est un sujet qui est très chaud, en ébullition. Donc les papiers, c'est surtout des papiers de théoriciens qui essaient d'expliquer, enfin de proposer un mécanisme. Aujourd'hui, je vous ferai grâce de tout ça, j'en ai dénombré 28. Hein, il y a 28 scénarios possibles en physique théorique pour essayer d'expliquer ça. Il n'y a rien qui est bien clair, alors qu'il est. Donc l'évolution du nombre de FRB en fonction de la date de publication. Donc là, j'ai mis tous les points, vous avez le premier auteur. Donc ça ressemble à une exponentielle, mais si vous êtes attentif, vous allez voir sur 2012, hein, j'ai plusieurs points. Parce qu'en fait, en 2012, il se passe des choses. Donc je vais mettre une droite de chaque côté. Vous voyez très bien que vous avez des évolutions linéaires et puis un décrochement en 2012. Il se passe des choses en 2012, c'est qu'on en découvre une flopée d'un coup. Hein. En gros, c'est ça. Donc il y a quelqu'un qui tire très vite la sonnette d'alarme dès 2011. Hein, voici la publication, hein, donc, vous l'avez pas, excusez-moi, oui. Burks Polahor, hein, donc, qui tire la sonnette d'alarme, entre guillemets, et qui dit qu'il y a un gros souci, parce qu'en fait, dans ces signaux, il y en a qui, visiblement, sont des signaux terrestres. Alors, pourquoi ? Tout simplement, je vous montre la publication, donc 16 nouveaux d'un coup, et regardez, là, vous avez les 13 beams du radiotélescope, en fait, on les détecte dans les 13 beams, donc on les détecte de partout. Donc ça veut dire qu'ils s'y viennent de partout, ils ne viennent pas de très loin, ils viennent du proche environnement du radiotélescope. On ne sait pas d'où, mais voilà. Et puis ils ont une drôle de tête, parce que regardez les signatures,
les signatures ne sont pas très régulières. Hein. En fonction de la fréquence, on voit que le signal évolue. Enfin, on n'a pas quelque chose de très net comme celui de l'horumène. Donc, c'est le premier auteur, j'ai eu du mal à trouver, mais qui a parlé donc, de péritio, enfin péritone en anglais. Donc là, on fait allusion à un écrivain. Viens devant. Il y a des places devant, n'hésite pas. Le vice-président de l'agglomération qui est là. Voilà. Merci. Donc c'est lui le premier à parler de ça. Il fait référence à la mythologie. On trouve ça dans les donjons et dragons, les gens qui font des jeux de rôle. En fait, c'est un écrivain, donc c'est Borges, un écrivain argentin, qui a, disons, en anticipation, évoqué ces animaux qui sont des cerfs avec des ailes, donc qui se nourrissent des humains, et surtout qui sont très particuliers parce que leur ombre portée n'est pas leur ombre portée, mais celle d'une silhouette humaine. Et c'est comme ça qu'ils trompent les humains. Donc ça laisse penser, c'est pour ça qu'il appelait ces signaux donc des péritios, parce qu'ils sont d'origine humaine, mais on n'arrive pas à savoir pourquoi. Voilà, c'est ça le drame. Donc le drame va durer un moment, donc je vais parler de Borges, donc c'est un écrivain donc qu'on trouve dans la Pléiade l'intégralité de son œuvre. Hein. Il a écrit en particulier un bouquin qui s'appelle Bibliothèque de Babel. Moi j'ai un point commun avec lui parce que pour lui le paradis est une bibliothèque, hein. Il y a un gros problème avec les bouquins. Et donc ici vous avez peut-être la bibliothèque de Babel, hein. Enfin disons, dans l'image qu'il a, c'est une bibliothèque en 3D, dans toutes les directions de l'espace, vous avez des bouquins disponibles. L'information. Alors là, je fais référence à quelqu'un qui est passé demain. C'est M. Éric Chariot qui a fait une excellente conférence, justement, sur l'univers que d'autres appellent bibliothèque, en consacré intégralement à Borges. Donc, voilà. Donc c'est un petit coup de patte. Donc ça, c'est la première partie d'affaire. Donc maintenant, je vais attaquer la deuxième conférence, la seconde partie, qui est la radioastronomie. Comment on est arrivé là? Donc on va démarrer... Donc, par ce que j'appelle les pionniers malheureux. Alors, très rapidement, en fait, il faut se replacer dans le contexte de la fin du 19e. On a Hertz qui a montré, qui a été capable, en fait, à partir d'un circuit dans lequel il y avait de l'électricité, faire des étincelles et récupérer à une distance, sur un autre circuit non alimenté, avoir à être une étincelle et un courant induit. Donc, il a montré, en fait, qu'il y avait propagation de quelque chose dans l'espace à partir d'un circuit électrique vers un autre circuit électrique. Donc les ondes de Hertz. À la même époque, vous avez Maxwell qui lui a proposé des équations qui ont, unifié la physique parce qu'en fait on avait les descriptions de ce qui était électrique, les descriptions de ce qui était magnétique. Et en fait, Maxwell a tout globalisé en quelque chose qu'on appelle d'électromagnétique, qu'on appelle donc maintenant des ondes électromagnétiques. Et il a dit finalement, il n'y a que la fréquence qui change. La lumière, c'est des ondes électromagnétiques. Les ondes caloriques, c'est-à-dire les infrarouges de l'époque, c'est aussi des ondes électromagnétiques, et les ondes de Hertz, c'en est aussi. Donc tout le monde est parti, à l'époque, en science, à démontrer que le Soleil, qui était la source principale de lumière et d'infrarouge, devait émettre des ondes de Hertz. Donc tous ces gens-là ont cherché, mais en fait, ils n'ont pas réussi. Alors ils n'ont pas réussi parce qu'en fait, il fallait des antennes, il fallait des récepteurs, et puis il fallait savoir aussi faire tout ça. Et puis, ils n'avaient pas la chance avec eux, parce que le Soleil a un cycle d'activité. Et à cette époque-là, on était sur un minimum solaire. Donc l'activité solaire était quasi nulle, donc elle était très dure à détecter. Donc ça n'a pas aidé. Voilà. Donc rapidement, parce qu'il faut que j'accélère un petit peu mon programme, ça c'est la première tentative. Donc ils n'avaient pas d'antenne, donc ils envoient la lumière du Soleil, ils la concentrent, ils mettent une feuille de papier, parce qu'ils savent très bien qu'il y a des effets thermoélectriques, etc., sur une résistance, dans un pont de Weston, donc c'est changé, censé faire varier le courant, mais évidemment, ils n'observent rien. On n'a pas d'antenne, il n'y a pas de système qui concentre. Hein. Ensuite, on a l'arrivée de Lodge en Angleterre, donc c'est un inventeur, il a fait beaucoup de choses, mais en particulier, il a inventé deux types d'antennes, donc les biconiques qui sont toujours utilisées aujourd'hui, vous avez une photo sur le côté, et puis ce qu'on appelle la dicone, hein, l'antenne typique des cibistes ou des radioamateurs. Donc vous avez ici des modèles modernes. Hein. Donc c'est intéressant parce que c'est largement. Donc lui a inventé l'antenne. Donc lui il essaie tout de suite en Angleterre. Donc on est en 1900. À Liverpool, donc il a un signal. Lui il a l'antenne, il a le cohéreur. Il a ensuite un galvanomètre. Donc il voit un galvanomètre qui bouge, mais il est très honnête, il dit « je ne peux pas relier ça logiquement à l'activité solaire ». Donc voilà, il est conscient aussi qu'il a un problème de pollution. Il fait ça à Liverpool. Donc pollution radioélectrique déjà, il en a l'intuition. Hein. Et voilà, et il dit finalement « non, ça ne marche pas ». Et puis, donc ça c'est les premières versions de Nature, hein, Nature série 1889. Bon, son brevet sur les cohéreurs avec Marconi.
Troisième tentative, elle est française. Donc, j'ai trouvé le compte-rendu de l'Académie des sciences. Donc, on n'a pas trop le temps de le lire, mais ils disent ouvertement ce que je vous ai dit, un contexte de Hertz, et puis de trouver ça dans le Soleil. Donc, eux, c'est assez dément, parce qu'ils vont aller... En fait, c'est Norman, hein, il n'est pas sur la pupille, d'ailleurs, ça, mais ça, c'était l'époque qui voulait ça. C'est lui qui va monter sur le Mont-Blanc. Pourquoi ils vont monter sur le Mont-Blanc? Parce qu'il y a l'idée des charges qui retournent à la Terre. Donc, ils veulent que l'antenne soit très éloignée de la Terre. Donc, ils vont sur un glacier. Ils vont en altitude, parce qu'on se dit, on ne détecte pas, peut-être l'atmosphère est pour quelque chose. Et ils vont déployer une antenne de 175 mètres. Ils vont rester plusieurs jours sur le Mont-Blanc. Ils vont avoir des signaux, mais rien de bien logique. Et toujours pareil, l'activité solaire est au plus bas, donc ce n'est pas le meilleur moment. Voilà. Donc voilà, c'est assez dément. Et puis à cette époque-là, finalement, le dossier est clos. Parce qu'il y a Planck qui propose sa loi de Planck et qui dit que le rayonnement d'un corps, hein, quand on va monter, descendre plutôt en fréquence, hein, ou monter en longueur d'onde, va être de plus en plus faible. Donc on dit finalement, ça ne doit pas être possible de les mesurer et le dossier est clos. Le Soleil ne doit pas envoyer d'onde hertzienne. Et puis donc, il y a des gens qui persistent. Donc c'est ceux que j'ai appelés les grands-pères de la radioastronomie. Donc on retrouve Jansky et puis Röber. Donc Jansky, en fait, c'est un ingénieur radio. Alors vous allez voir aussi l'originalité dans la radioastronomie, c'est finalement pas des astronomes, et c'est souvent des radioamateurs, hein, parce qu'en fait, c'est un autre chose. Donc lui, il travaille à une société qui s'appelle Label, donc c'est le logo de l'époque. Hein, maintenant, aux États-Unis, c'est ATT, en fait. Hein. Donc il travaille sur la téléphonie, sur les liaisons transatlantiques, entre les États-Unis et l'Angleterre. Donc à l'époque, ça se fait par Morse, hein, on n'envoie pas de SMS. Hein, le Morse est assez simple, il y a une impulsion courte, une impulsion longue. Donc normalement, donc il est le premier à écouter le ciel. Hein, donc, et il entend des choses. Alors, il entend déjà des choses dans les systèmes de communication, et en fait, Label l'a chargé d'élucider ce problème de bruit parasite. Alors, ça, communication Morse, hein, vous allez avoir tout. Donc c'est moins glamour que les SMS. Hein. Ça c'est le recul, et puis de temps en temps ça fait ça. Ou plus aigu, alors, je vous ai dit, on va faire siffler les sonotones, hein. Je vous ai prévenu. Donc voilà, donc son job en fait c'est de comprendre pourquoi on a ces phénomènes acoustiques un peu bizarres. Et donc il décide de monter un système assez original. Donc, je vous ai mis à chaque fois les fréquences et les longueurs d'onde, hein, c'est quelques idées. Donc ce qu'on appelle le manège de Jansky. Donc c'est un système qui fait 30 mètres de long, vous avez ici le papier, c'est des antennes, filaires, en créneau. Donc il y a peu de photos qui traînent, voilà, ça fait 30 mètres de long, c'est monté sur roulette, et tous les 20 minutes il fait un tour. Alors pourquoi il fait un tour tous les 20 minutes? Parce qu'en fait il fait un tour et il mesure tout ce qu'il y a au-dessus. Et puis ensuite il attend, et puis il refait toutes les 20 minutes, il refait un tour, etc. Donc 3 tours par heure. Et puis ensuite il déconvolue tout ça, parce qu'en fait, en faisant un tour, il balaye le ciel, et puis regarde comment ça évolue, puis retraduit tout ça. Alors à l'époque, c'était un travail énorme, hein, retraduire ces datas-là pour faire une carte du ciel. Bon, ça, c'est le manège de Jansky, un peu plus clair. Alors, il y a aujourd'hui à Denbank, on ira faire un tour tout à l'heure en Virginie, c'est pas l'original, hein, c'est une maquette, mais fonctionnelle, qui est là-bas en présentation. Il y a un monument aussi qui commémore le travail de Jansky, donc on retrouve son antenne, sa double antenne. À l'époque, c'était publié dans la grande presse, hein, c'est sur le côté, à gauche, hein, on découvre donc une émission radio. Alors, lui, il travaille sur le Soleil, il veut découvrir le Soleil, mais il se rend très vite compte que c'est pas le Soleil. Le Soleil n'émet pas, il ne détecte pas le Soleil, toujours pour les raisons que j'ai évoquées, les années 30, 32, minimum solaire. Par contre, il détecte le rayonnement de la Voie lactée. Et il détecte le centre galactique, c'est-à-dire que la région où il y a le plus d'émissions, c'est le centre de la Voie lactée. Alors ici, vous avez les signaux typiques, hein, si vous comptez sur une heure, il y a bien, 20 minutes, hein, donc trois fois pour faire 60 minutes. Donc, et puis ensuite, il compare tout ça. Donc, il a donné son nom à l'unité de flux, donc le Jansky, dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, logique. Ensuite, on a aussi baptisé un astéroïde avec son nom. Celui qu'il avait découvert, c'est un dénommé Kohoutek, donc pour ceux qui font de l'astronomie, il y a une comète bien connue, hein, la comète Kohoutek. Et puis, voilà donc la carte de Jansky, avec le centre galactique, hein, qui se trouve ici. Bon, il y a dessus reporté le Soleil et Jupiter qui émettent, mais lui, il ne les a pas vus. Hein. Lui, il a vu essentiellement la Voie lactée avec le centre galactique ici. Donc, ensuite, on a Röber,
Alors, Robert, en fait, a entendu parler des travaux de Jansky. Jansky, donc, a rempli son contrat, lui propose de construire un radiotélescope, déjà un gros truc, hein, qui fait, je crois, une quinzaine de mètres de diamètre. Mais les gens de la Belle lui disent que c'est pas la peine, ça les intéresse pas, ils le renvoient à son activité primaire. Donc, Robert, qui a suivi tout ça, qui est aussi ingénieur en télécom, essaie de rentrer à la Belle. Bon, c'est l'époque après la crise de 1929, hein, donc c'est pas évident. Donc, il travaille dans une société, il fabrique des postes de radio, et puis décide de construire son radiotélescope. Alors ça, c'est vraiment le prototype des radiotélescopes modernes, avec une parabole, hein, donc 9,5 mètres de diamètre, donc il rigole pas. Donc il installe ça dans son jardin, voilà. Donc avec le récepteur, il a plein de problèmes au niveau du récepteur, au niveau de la fréquence, ça marche vraiment pas du premier coup, il fait ça quand il a du temps. Pour la petite histoire, il s'inscrit à l'université pour avoir des cours d'astronomie, surtout pour les coordonnées célestes, parce qu'il est quelqu'un de vraiment passionné. Il demande à publier dans l'Astrophysique Journal, donc les gens sont un peu réticents, et il demande à venir voir l'installation. Et manque de bol, ils sont venus un lundi, et ce jour-là, sa mère faisait la lessive, et elle utilisait le radiotélescope avec les fils pour étendre le linge. Donc il était hors de question de faire fonctionner le dispo. Oui, c'est la stricte vérité, hein, la réalité dépasse la fiction. Voilà. En tout cas, il arrive à publier, et puis il sort. Donc ça, c'est son installation réel qui a été réinstallé donc en Virginie à Greenbank, hein, on peut le voir, et donc là quelques photos de son récepteur, les signaux rapidement, hein. Les récepteurs à lampe d'époque sont également à Greenbank, sont présentés, hein, ceux qu'il a utilisés, et puis voilà sa carte. Donc la carte est un peu plus précise que celle de Jansky. Vous avez pointillé les bras de la des nuages galactiques là, de la Voie lactée, et donc il fait des isolignes autour de ça, voilà. Ensuite, sur la fin de sa vie, je tiens à en parler parce qu'en fait, c'est un peu la course à l'armement après la guerre, vous allez voir. On construit des très grands instruments. Lui, en tant qu'indépendant, continue l'aventure. Il est convaincu, donc, qu'il se rabat sur les basses fréquences, très basses fréquences, hein, 1 MHz, donc des longueurs d'onde phénoménales. Donc, il va s'installer, en fait, en Tasmanie, en 75, pour être tranquille, hein, loin des aurores, qu'on écoutera tout à l'heure, et puis dans une zone où, radioélectriquement, il n'y a rien. Il installe un système absolument dément, donc un radiotélescope filaire. Hein, voilà les vues, les photos en couleur qui existent. Hein, donc c'est sur pratiquement 1 km². Donc voilà le plan de la croix principale, hein, et puis la vue. Alors pardon, la vue ici pour vous donner la dimension du réseau, hein, avec des fils. Hein, c'est uniquement filaire. Donc là vous avez le détail de son schéma de l'installation. Ici une vue. Hein, on peut se déplacer entre les voilà. Et puis il travaille avec ça. Donc ça, c'est les poteaux les plus énormes qu'ils avaient à poser. Hein. Donc c'est un travail absolument titan. Là, c'est des courbes réelles. Hein. Donc, il détecte aussi, il se rend compte qu'il peut détecter les orages tropicaux. Il les voit arriver. Donc maintenant, on fait de la météo avec ça. Hein. Et puis, vous avez de sa main, là, des choses marquées, small source, hein, un petit signal. Voilà, il continue de travailler. Donc à sa mort, c'est pas forcément agréable, mais donc il est incinéré. Et il souhaite que ses cendres soient dispersées sur 24 observatoires dans le monde. Donc c'était vraiment un astronome, voilà. Donc ensuite la guerre arrive. Donc vous savez que pendant la guerre, la radio a joué un rôle très important. Radio Londres, hein, posséder un poste de radio, c'était très risqué. Le radar, la naissance du radar. Donc le radar, en fait, a boosté le développement de la radioastronomie, parce que vous allez voir si ça marche avec. Hein. Donc c'est concomitant de tout ce qui est un peu militaire, c'est un peu dommage. Mais vous verrez aussi que des prises de guerre vont être utilisées ensuite des deux côtés, en France, en Angleterre, en Hollande, en Allemagne aussi, pour faire de la radioastronomie. Donc je trouve ça assez intéressant, parce que des radars qui avaient été créés pour faire la guerre sont utilisés ensuite pour faire de la science, donc c'est assez marrant. Donc là, présentation sur la guerre, donc l'avion, l'aviation, hein, donc les radars anglais, on va parler, radar allemand, Duisburg. Donc, ce sont des réels messages, hein. Je vous rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des messages entre guillemets codés, hein, donc qui signifient à certains groupements résistants d'engager des procédures. Et donc, c'est tiré de la cinquième de Beethoven, mais en fait, vous avez un petit truc en morse, hein, trois points, une barre, donc trois cours, un long. C'est le dendendant, donc la cinquième de Beethoven, mais c'est aussi la lettre V dans le code des radioamateurs, donc c'est le V de la victoire, donc le rythme, c'est VVV, en fait, hein, qu'on entend. Alors, les radars anglais, c'est la photo que vous avez, donc on va regarder ça rapidement. Hein, ah oui, avant, il faut que je vous parle, ça c'est une pépite que j'ai, je ne peux pas ne pas la montrer. Avant le radar, il fallait détecter quand même, donc il y avait l'acoustique,
Donc je vous parlais de sonotone. L'ancêtre du sonotone, c'est le cornet acoustique, le trifon et le tournesol. Ben, les gens ont développé des cornets acoustiques géants. Donc ça, c'est une version stéréo, portable. Hein. Là, vous avez une autre version un peu plus efficace. Hein. Tout ça, c'est très sérieux. Hein. Donc là, avec des phasages, hein, vous avez des systèmes mobiles, un système très sérieux. Hein. Et puis alors, le summum, c'est le mur acoustique dans le Kent, en Angleterre, où là, vous avez une parabole, finalement. Hein. Et vous vous mettez au foyer, hein, je suppose que la personne avait un siège et puis un bouquin à lire. Hein. Et puis, bah, ça concentre les ondes acoustiques. Et quand les avions allemands arrivaient, bruit très, très sourd, très important, apparemment, ils détectaient entre 5 et 10 km l'arrivée de... Bon. Donc, il y a eu le radar aussi, qui est quand même plus efficace. Donc, le développement du radar, c'est ce qu'on appelle la chaîne home, qui a été développée dès le début des années 30 en Angleterre. C'était précurseur à ce niveau-là. Donc, vous avez ici les zones de protection qui sont énormes, hein, puisqu'en fait, ils voyaient les côtes françaises. Donc, ils ont installé 19 stations au début de la guerre et on est monté à 59. Donc, ça fait à peu près 190 km de portée. Il y a deux niveaux de portée. Donc, c'est pas un radar comme vous l'imaginez. C'est des tours immenses. Les tours émettrices font 110 mètres. Il n'y en a plus qu'une qui reste en Angleterre. Hein. Tour Marconi, on l'appelle. Les réceptrices, 70 mètres. Il n'y a rien qui bouge comme sur les radars, comme vous l'imaginez. Il y a un émetteur et un récepteur. Donc, ils travaillent à 20 et 50 mégas qui sont en plein milieu du spectre solaire. Hein. Donc, ça, ils ne le savent pas, évidemment. Ça va poser des soucis. Donc, les Zeppelins allemands viennent faire des tours en 38-39. Ils mesurent. Hein. Par contre, ils savent très bien que les Anglais ont des radars. Par contre, ils n'ont jamais fait le lien entre les radars et les tours. C'est-à-dire que les tours, officiellement, c'était des tours pour la radio. Hein. Évidemment, ce n'était pas officiellement des radars. Ils n'ont jamais cherché à les détruire. Donc, pendant la bataille d'Angleterre, ça a été crucial, puisque ça leur permettait de tout anticiper. Vous voyez tout ce qui se passe, hein, jusqu'aux côtes françaises. Pour la petite histoire, les Allemands le savaient et utilisaient aussi en retour, en passif, leur information radar pour avoir des informations sur leurs avions. Donc, tout le monde un peu s'espionne, enfin, se fait de la contre-mesure. Donc, il y a l'affaire du 12 février 42. Ça, c'est intéressant, parce qu'en fait, ça démarre dans la nuit du 11. Donc, c'est l'opération Cerber qui a été demandée par Hitler, parce qu'en fait, Brest est, je veux dire, c'est un peu une souricière. Donc, il y a deux croiseurs qui sont bloqués, là, allemands, et donc, ils veulent les rapatrier pour les ramener dans la Baltique. Donc, en fait, ils apparaissent dans la nuit. Donc, les Allemands, il y a des mines de partout. Donc, ils ont fait des chenaux pour que les bateaux passent, tout ça. Les Anglais n'ont rien vu venir. Et puis, en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est pire que ça, parce que les radaristes, le matin donc du 12 février, les bateaux sont déjà partis, ils sont au milieu de la Manche, annoncent une attaque massive des Allemands. C'est-à-dire tous les radars sont en furie, et tout le monde est sur le pied de guerre, il y a des avions qui arrivent de partout. En fait, il n'y a pas d'avions qui arrivent, et puis le temps qu'ils réalisent, etc., donc je veux dire, c'est une catastrophe, en plus, les avions vont quand même à la rencontre des bateaux, mais il y a énormément d'avions abattus, enfin, c'est une catastrophe militaire. Donc, au niveau de l'état-major, c'est terrible. Les radaristes disent, ben, nous, on n'y comprend rien. Donc, on dit, il y a de la contre-mesure. Les Allemands nous ont arrosé de contre-mesures, ils ont des techniques plus performantes que nous. Donc, l'état-major décide, c'est très clair, il faut déjà aller voir où ils sont, il faut aller récupérer un radar. Donc, ils envoient des avions en observation, on voit les deux croiseurs, excusez-moi. Et puis ici, la photo de la RAF, hein, donc c'est sur les côtes normandes, il y a un manoir sur une falaise, et vous avez un petit truc noir autour en jaune, qui est un radar Wüstburg, il y a une première génération allemand. Donc il y a un système technologie allemande, dirait l'autre, assez compact, 500 mégas, mobile, hein, c'est une autre philosophie que la techno-anglaise. Et en fait, donc, ils envoient un détachement, donc vous allez voir, c'est le 12 février, hein. Dès le 27, l'opération donc Morsure est lancée. Donc il y a deux détachements qui sont parachutés sur donc, cette falaise. Hein. Donc il y a un temps terrible, donc il y a un des deux qui ne tombe pas du tout au bon endroit. Enfin bref, c'est catastrophique. Ils se récupèrent, donc ils neutralisent les gens dans le manoir. L'opérateur radariste arrive à se sauver, il est sûrement plus futé que les autres. Et puis, donc il y a un radio amateur qui a été mis au parfum pour aller démonter sur le radar les pièces essentielles. D'après ce que j'ai pu voir, ils embarquent 20 kilos de ferraille avec eux. Ils font sauter le radar, évidemment, avant de partir. Donc, il y a des canaux qui les attendent en bas de la falaise, hein, qu'il faut descendre en rappel. Ils trouvent le radariste en bas, qui s'est trompé de direction, qui est tombé. Donc, ils le récupèrent et l'embarquent en Angleterre. Il fait un temps terrible, donc il leur faut 14 heures pour retourner en Angleterre. Ça a été terrible. Le radariste est très coopératif. Il se rend compte très vite que c'est pas ça l'explication des faux signaux. Donc, ils vont voir les
des gens à chapeau pointu, les universitaires, on va dire, de l'époque, qui disent, mais de toute façon, non, le soleil, il n'émet rien, machin. Enfin, il n'y a pas, même pas le soleil, je veux dire, on ne voit pas trop les sources radioélectriques. Et puis, il y a un officier qui s'appelle Hein, qui est un peu plus futé, et donc qui réfléchit à tout ça. Il y avait des 38 des radioamateurs aux États-Unis qui avaient dit qu'ils avaient observé une émission, disons, apparemment du soleil, qui broyait les communications, qui, disons, faisait des parasites sur les communications. Hein. Et en fait, ça, on leur avait dit que c'était pas possible, etc. Donc, il fait des relevés, et il se rend compte qu'en fait, le soleil, puisque ça s'est fait dans la journée, hein, le problème, et dans la journée, effectivement, il y a le soleil dans l'axe des radars, hein, puisque l'Angleterre, comment elle est positionnée hein, par rapport au soleil, et donc, il déduit tout de suite que c'est l'émission solaire. Donc, c'est quelque chose qui va rester secret défense, hein, jusqu'après la guerre, puisque, évidemment, c'est une information stratégique pour les radars, hein. Donc, ensuite, on a fait aussi de la chasse au V2. Hein, donc là, on a combiné des antennes Yagi. Donc, les antennes Yagi, c'est le râteau de la téléphonie. Hein, donc, ils en combinaient plusieurs. Au départ, deux, parce qu'il y avait une émettrice, une réceptrice. Puis ensuite, ils en combinaient plusieurs pour être très directifs. Puis, ils arrivaient à faire des trajectoires. Et puis, très rapidement, ils avaient des éléments pour savoir qu'il n'y avait pas eu de V2 de tirer. Et pourtant, ils avaient des échos. Donc très rapidement, ils ont compris que c'était les météores qu'ils voyaient passer en haut, parce qu'ils ionisent l'atmosphère, et donc ils font des échos. Donc vous avez sur l'écran de l'oscillo, hein, multi-écho. Donc voilà le dispositif inspiré en Angleterre avec lequel on a commencé à faire de l'observation. Hein, et puis ça, c'est des systèmes modernes, avec des radioamateurs qu'on a construit un ici opérationnel. Donc je vous envoyais là ce qu'on appelle donc, un QSO, donc un contact, donc transatlantique, donc vous allez voir c'est assez brouillé, mais par contre il y a un moment, il y a un météore qui passe, normalement ça ressemble au casque quand vous tirez la chasse d'eau, hein, la phase finale, voilà. C'est-à-dire que ça coupe complètement la communication, et puis après la communication, donc vous allez avoir deux passages de météores. Donc avec ça, on fait de la trajectographie. Donc ensuite, on arrive, j'accélère un peu, à celui que j'appelle le père de la radioastronomie, qui est anglais, donc Sir Bernard Lovell. Donc il est en fait en Angleterre le créateur du fameux Jodrell Bank, qui est un célèbre observatoire, hein, donc qui dépend de l'université de Manchester. Donc c'est le premier professeur de radioastronomie, là, toute son équipe dans les années 50. Hein. Donc ici, ils sont les premiers à avoir fait de l'interférométrie, donc combiner plusieurs antennes et en tirer beaucoup plus d'informations qu'une antenne simple. Alors des systèmes mobiles, hein, des réseaux très larges au sol. Hein. Donc on a M. Gupta qui est le père de l'interférométrie en radioastronomie, hein, donc ça a été fondamental. Hein. Donc on voit des franges, hein, c'est l'allusion qui est là, et puis surtout la détection de la source, donc dans la constellation du cygne et Cassiopée, hein, qui a été fondamentale à l'époque, c'est les premiers à avoir fait ça. Donc ensuite on a lancé la construction du ce qu'on appelle le Lovell Telescope, le Mark 1, donc qui fait 72 mètres de diamètre, hein, donc ça a mis un certain temps, parce qu'à l'époque, voilà des photos d'époque, c'est assez impressionnant. Donc voilà les fréquences, 30 mégas, 300 mégas. Il a été rénové, on va dire, en 2002 pour passer à 5 gigas. Et puis, donc vous avez sa vision telle qu'il est actuellement. Donc c'est de l'azimutal. Hein. On tourne et puis on incline. Donc il est orientable dans toutes les directions par rapport à l'horizon. Voilà. Donc ça, c'est le Mark 2. Donc le Mark 2 a été fait en 1964. Hein. Donc il est un peu plus petit. Par contre, il travaille plus haut en fréquence, 22 gigahertz. Hein. Donc voilà. Donc c'est des systèmes, il y avait beaucoup de moyens à l'époque, mais il faut être réaliste aussi, il y avait aussi de l'écoute, commandée pour des applications plus ou moins militaires, hein, de suivi de trajectoires de missiles balistiques, de satellites, etc. Il n'y avait aussi pas que de la radioastronomie. Donc ils ont fait beaucoup de choses, les premiers pulsars rapidement, hein, les masers, c'est l'équivalent des lasers en micro-ondes, donc les quasars, les pulsars, les lentilles gravitationnelles, les doubles pulsars, les dark galaxies, donc les galaxies qu'on voit qu'en radio et pas en visible. Et puis en 2007, ils ont fêté donc les 50 ans d'observation du ciel, ce qui est assez impressionnant quand même. Donc l'aventure française, c'est Nancy. Donc Nancy, c'est en Sologne. Donc très rapidement, ici, deux photos de Nancy, elles sont intéressantes
parce que vous avez ici un trois-yagi dont je viens d'évoquer, hein, qui est le début de la radioastronomie française, hein, qui pourrit un peu sur le côté, et puis un vieux Wüsburg. Donc les Wüsburg, en fait, c'est Yves Rocard, qui est allé en Angleterre, on dit aujourd'hui en postdoc, qui a vu donc ce que faisait Lowell, et qui a demandé en rentrant à récupérer des radars. Donc ils ont récupéré deux Wüsburg allemands, qu'ils ont installé à Paris au départ, enfin à Meudon, puis très rapidement ils se sont rendus compte qu'il y avait trop de pollution radioélectrique, donc ils sont partis au centre de la France à Nancy, et puis c'est là qu'est parti le radiotélescope, enfin le centre de, disons, de radioastronomie français. Donc rapidement, donc un Wüsburg, il y en a qui a été finalement repris, restauré, qui est au mémorial de Caen maintenant. Donc là je vous parle du pape des antennes, hein, donc je pense que Pierre ici... il ne dira pas le contraire. Donc un radioamateur qui a inventé à lui tout seul trois types d'antennes, qui a écrit un bouquin qui est quand même la Bible normalement des antennes, hein. Et puis aussi et surtout un traité de radioastronomie, peut-être probablement le premier. Donc c'est lui qui est à l'origine du radiotélescope, l'idée du radiotélescope français, qu'il a développé aux États-Unis, ce qu'on appelle la grande oreille ou l'osuro. Donc là c'est un autre système, vous avez un système fixe. Hein, ici, vous avez ce miroir, hein, c'est un miroir en VH qui est fixe. Vous avez un système orientable, donc c'est ce qu'on appelle l'observation méridienne. Hein, on voit passer les objets quand ils passent avec la rotation de la Terre. Donc on renvoie le système ici et ce miroir-là focalise sur le récepteur. Donc il faut faire ça à grande échelle. Donc ça, c'est le système américain. Vous connaissez forcément parce qu'il a travaillé pour SETI. Il a fait beaucoup de choses, il a catalogué 19 000, enfin pratiquement 20 000 sources, hein, donc 60% ont été inconnues, donc il fait un travail de prospection énorme. Il a disparu très récemment, parce qu'en fait les propriétaires du terrain ont voulu récupérer le terrain, donc il a été rasé. Et maintenant il y a un golf. Alors il y a juste une petite pancarte qui signale qu'il y avait l'Osuro, et l'Osuro a enregistré ce qu'on appelle le signal Wahoo. Donc le signal Wahoo, peut-être vous ne connaissez pas, mais quelqu'un a sûrement posé la question. Donc c'est dans le cadre du programme SETI, hein, de recherche d'une activité intelligente extraterrestre. Donc ça a été enregistré le 15 août 1977, pendant 72 secondes sur la raie d'hydrogène. On appelait ça le signal Wahoo parce que sur le papier de l'enregistreur, le radioastronome a marqué Wahoo en bas, hein, voilà, en gros. Hein, voilà. Et en fait, c'est un signal énorme, hein, c'est pareil, ça a saturé aussi, c'est les limites de la saturation des détecteurs. C'est le premier intermittent radio. Hein. On peut le dire, hein, il n'y a jamais eu de nouveau signal, on ne sait pas trop. Il y a une hypothèse récente, là, de 2016, sur une histoire de comète. Alors Vincent serait peut-être plus apte à en parler. Je ne suis pas sûr que ce soit d'ailleurs très crédible, mais bon, je ne suis pas compétent pour y répondre. Ensuite, SETI, sachez qu'il y a un SETI Reloaded. Hein. Donc très rapidement, si ça vous intéresse, allez voir. Ce sont des privés, hein, c'est un Russe qui vit aux États-Unis, qui a la double nationalité russe et israélienne. Qui a mis 100 millions de dollars sur 10 ans, hein, pour faire la prospection, tous azimuts. Et donc, je vous en parle. Donc voilà, hein, c'est mineur. Vous avez Facebook qui est dans l'affaire, Hawking en tant que soutien scientifique. Hein. Et puis voilà le site, hein, si vous voulez aller voir, c'est très intéressant. En fait, il paye actuellement 20% de Green Bank. Green Bank a d'ailleurs des soucis puisque la fondation qu'il gère, l'administration américaine, veut fermer Green Bank. On va aller faire un tour tout à l'heure. Mais il paye 20% de l'observation. Ils ont trouvé des FRB d'ailleurs. Et 25% de parc, d'où on est parti tout à l'heure. Voilà. Donc, Nancy, rapidement, parce que je suis obligé de passer vite. Avant qu'on aille faire un tour à Green Bank, voilà. Donc Green Bank, c'est le GBT, donc là-bas on appelle ça aussi la grande belle chose. Hein. Donc là vous l'avez dans la lumière du soir, il est tout blanc. Donc il a été reconstruit en fait, hein, parce qu'il y avait un drame, vraiment un drame, hein, avec un ouragan qui l'a totalement ratiboisé, donc il a été reconstruit. Donc actuellement, c'est en Virginie, donc la Virginie c'est très boisé, c'est très tranquille, hein. Donc c'est l'université donc de Virginie qui le gère, avec le NRAO, qui est un grand organisme d'astronomie américaine. Donc ici une photo à l'américaine, on va dire, hein. Donc c'est le plus grand orientable, quelques photos avec des bâtiments agricoles, hein. Donc ça c'est le gros contraste à Green Bank, hein. On est en plein milieu, perdu au milieu de la forêt, puis vous avez un radiotélescope incroyable, donc quelques photos. Vous avez ici, lors de sa construction, ça vous donne une idée de l'échelle. Hein. Il est pareil, c'est de l'azimutal aussi. Donc 7000 m², 100 m par 110 m de surface d'antenne. Hein. Donc l'architecture un peu particulière. Des circuits d'air chaud pour dégivrer les récepteurs, parce que là-bas il fait très froid. Donc un radiotélescope, ça peut fonctionner la journée.
D'ailleurs, le ciel, curieusement, est plus brillant la nuit que le jour. Donc, on travaille le jour. On peut travailler quand il y a des nuages aussi. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, les baies de mesure, rapidement, hein, quelques vues. Et puis, je vous parle d'un truc qui me tient à cœur, parce que c'est la terre promise des électrosensibles, hein, une zone de tranquillité radioélectrique. Alors, il y en a une en Angleterre incroyable. Donc, c'est à la frontière du Maryland et de la Virginie. Donc, c'est un carré qui fait un peu moins de 200 km de côté. Donc, ça fait quand même une belle surface. Et en fait, la zone la plus stricte, c'est les 32 km autour de la ville de Greenbank, où il vit à peine 150 personnes. Là, tout est prohibé. Pas de téléphone portable, pas de four à micro-ondes, pas de routeur Wi-Fi, etc. Pas d'électronique défectueuse, c'est-à-dire qu'il fasse des étincelles. Et pas d'étincelles, donc pas de voiture à essence, que du diesel, hein, dans la zone des radiotélescopes. Donc ça veut dire que sur le campus, ça fait des photos assez originales, parce que la flotte du campus, c'est des vieux moteurs diesel, enfin des vieux diesel américains. Pourquoi on ne prend pas des neufs? Bon, ils n'ont peut-être pas des moyens non plus, mais surtout parce que rien que les lampes de portière, par exemple, ben, vous allumez la lampe de portière, vous faites des étincelles et vous arrosez. Donc ils veulent vraiment une tranquillité totale au niveau radioélectrique. Donc voilà la flotte des véhicules de l'observatoire. Donc on doit les préchauffer parce qu'il n'y a même pas de système de préchauffage pour démarrer quand on veut le prendre. Et puis, qui veille au grain? Chez nous, on a la NRT. Chez eux, c'est la FCC. Donc là-bas, ils appellent ça les Ghostbusters, donc ceux qui chassent les fantômes. Donc ils sont aussi sur des vieux diesels. Et puis, ils chassent à l'analyseur de spectre. C'est-à-dire qu'ils vérifient les rayonnements, etc. Donc il y a les phases d'observation. En phase d'observation, ils patrouillent pour vérifier qu'il n'y a aucun signal parasite qui va venir perturber les mesures. Bon, une petite remarque en passant, vous avez peut-être remarqué que j'aime bien les photos. J'ai trouvé un bouquin, il y a deux photographes qui sont allés en immersion six semaines à Greenbank, qui ont été étonnés par le contraste entre les radiotélescopes et puis les gens qui vivent là, qui finalement sont des gens très simples, il y a très peu d'activité là-bas. Il y a des électrosensibles, il y a un architecte new-yorkais très connu qui est venu s'installer là, parce qu'il ne supporte absolument plus, enfin, du moins il pense ne plus supporter les rayonnements électromagnétiques. Voilà. Donc je passe ça rapidement, mais il y a vraiment un contraste là-bas. Donc ici, un système en équatorial, là, pour le coup, un petit radiotélescope, et quelques photos, des baies de contrôle. Ça, c'est intéressant parce que c'est le bas, ça, on ne le voit pas souvent. Donc c'est tous les détecteurs en dessous. Et puis ici, quelqu'un qui travaille à l'observatoire, quelle drôle d'idée, parce qu'elle a un micro-ondes, mais son micro-ondes est dans une autre cage, une cage de Faraday, puisqu'elle ne peut pas l'utiliser. Voilà. Donc l'aventure continue, donc ça je pouvais pas ne pas vous en parler, parce que bon, j'aurais pu m'arrêter là sur ma deuxième conférence, mais c'est vrai qu'il y a des trucs absolument déments qui sont qui ont été construits, qui sont en train d'être construits, donc je vous les passe rapidement. L'objectif, c'est de vous donner envie d'en savoir plus. Évidemment, je peux pas vous parler de tout ça en même temps. Donc d'abord, Arecibo, qui est très connu, donc qui est dans l'île de Porto Rico, donc qui est géré par l'université Cornell, construit en 1963. Donc là, c'est du sphérique, c'est pas du parabolique. C'est une sphère qui est dans un cratère, et puis on a le récepteur qui est pendu au-dessus. Alors ce qui est intéressant par rapport à Nancy, c'est qu'on peut déplacer le récepteur. Donc on fait pas vraiment que du méridien, on peut suivre pendant un moment l'objet qui passe au-dessus. Par contre, vous êtes obligé d'attendre que l'objet vous passe au-dessus, puisqu'il n'est pas orientable. Mais il a été longtemps le plus grand, en diamètre, donc un peu plus de 300 mètres, 70 000 mètres carrés d'antenne sphérique, donc il travaille à 500 mégas et puis plutôt dans les gigas maintenant, tout ça a évolué aussi. Il a eu des gros soucis avec un ouragan en 2017, je ne sais pas Vincent, il y a une tour qui s'est écroulée, ça a perforé la sphère, je ne sais pas où ça en est. Ils l'ont réparé. Ils l'ont réparé, là. Ensuite, il y a les Russes avec le Rattan 600. Donc le Rattan 600, c'est un peu différent, parce que vous voyez, c'est pas vraiment une sphère, c'est très curieux. C'est des arrangements sous forme de disques de miroir. C'est un gros système, puisqu'il a un diamètre équivalent de 600 mètres. Donc il travaille jusqu'à 30 gigas. Bon, j'ai l'impression qu'en astro, il date des années 70. Il a plus été utilisé, à mon avis, pour d'autres choses que pour faire de la radioastronomie. Mais bon, voilà, ça c'est mon petit avis. Et puis vous avez, ça c'est des interféromètres, c'est pas un petit interféromètre, c'est le VLA, donc qui porte le nom de Jansky, donc 25 radiotélescopes avec des antennes de 25 mètres. Donc là on compose les signaux, ça permet d'avoir une surface équivalente beaucoup plus importante. Voilà. Donc ça c'est assez impressionnant, c'est dans le désert du Nouveau-Mexique, donc là ils sont tranquilles en termes de pollution radioélectrique. Et puis le dernier en date, c'est le chinois FAST.
Hein, FAS, c'est l'acronyme parce que c'est un 500 mètres, donc c'est encore un sphérique. Donc, il travaille, il a été inauguré en 2017, hein, c'est ça, Vincent, je pense. Et bah, depuis, il a déjà trouvé 20 pulsars. Hein, donc, c'est un système qui fonctionne bien, c'est actuellement plus performant. Et puis, le dernier, moi, que je trouve assez dément, c'est le SCA. Alors, c'est un réseau kilométrique. Donc, actuellement, c'est une fondation, ça va coûter très cher. Pour l'instant, il n'est pas fabriqué. Donc là, vous avez une vue d'artiste. Il y aura une partie déployée en Afrique du Sud avec pratiquement 200 radiotélescopes hein, en réseau. Et puis, dans une deuxième phase, donc les travaux doivent démarrer à partir de 2020. C'est une vue d'artiste, évidemment. Et ensuite, il y aura la deuxième phase avec 1800 antennes fixes en Australie. Et les deux travailleront en interférométrie, ce qui sera absolument démoniaque. Voilà. Donc ça, c'est où on en est. C'est pour vous dire que l'affaire continue. Hein, il y a toujours je veux dire, une ébullition au niveau des appareillages. Donc maintenant, bah, j'en ai terminé de ma deuxième histoire, et il faut qu'on revienne sur nos péritios, et que vous ayez le fin mot de l'histoire. Hein. Alors, le fin mot de l'histoire est assez étonnant. Donc le problème venait d'Australie, l'explication est venue d'Australie, par un monsieur qui s'appelle Petrov. Très pugnace aussi, beaucoup de... Comment de retour, pour les étudiants, il faut être très pugnace, hein, faut pas lâcher de morceaux, et puis faut, même si ça ne marche pas, il faut continuer. Et c'est ce qu'ils ont fait. Alors très rapidement, donc, la chasse aux péritios est lancée. Hein, donc ce qui a permis de faire les choses, c'est déjà de faire une campagne synchronisée avec trois sites. Ce n'est pas forcément facile. Donc deux sites en Australie, Park toujours, un autre site en Australie, un peu plus loin, et puis un radiotélescope en Inde. Donc tout ça synchronisé. Et puis, sur 5 jours d'observation, ils en ont observé 3. Le problème, c'est qu'ils ont été observés qu'à Park. Les deux autres radiotélescopes n'ont rien vu. Donc, les voilà. Bon, ils ont des DM, bon, correct, hein, enfin, qui semblent conséquents. Et en fait, il y avait l'arme fatale contre les péritios. C'est le RFI Monitor, donc Radio Frequency Interference, donc le système qui permet de suite, c'est un analyseur de spectre, large bande. Alors, ça va me permettre, ici, je vous montre une version italienne. Et, c'est surtout pour l'antenne qui est située en haut, là. Donc, ça me permet de casser la log périodique, hein, en passant, qui est large bande, puisque là, il faut mesurer du 400, 3 gigas avec la même antenne, c'est pas forcément facile. Et ce système-là, en Australie, ils ont équipé Park et le deuxième observatoire, il y a un enregistrement de ce qui se passe au niveau radioélectrique pendant qu'on fait les mesures. Voilà. Et donc, quand on va regarder dedans, pour les 3 FRB observés, il y a un signal à 2,45 gigas. Alors, 2,45 gigas, ça vaut peut-être rien. Enfin, moi, c'est un truc que j'utilise assez souvent, c'est en fait la fréquence des fours micro-ondes. Voilà. Donc, déjà, là, la puce à l'oreille, tiens, bizarre. Donc, voilà les enregistrements. Alors, il y a un doute pour celui du 19, parce qu'il y a eu un signal dans l'autre observatoire à 300 km. Hein. Mais pour ces 3 péritios-là, c'est clair qu'il y a des signaux à Park et il n'y a rien ailleurs. Donc, c'est un produit local de Park, le péritio. Hein, ça, c'était la première certitude. Donc, ensuite, le nouveau critère de recherche, ça a été de dire, ben, maintenant, on va regarder dans les enregistrements du RFI pour voir ce qu'on trouve. Et alors là, bingo, ils en ont trouvé 21 nouveaux. Donc, on était à 46 FRB recensés, ce qui commençait à faire beaucoup. Donc, ils ont fait des statistiques. Donc, ça, c'est les nombres cumulés d'apparitions en fonction de l'heure locale à Park. Et là, on se dit, le péritio, ça passe plutôt vers midi. Hein. Donc, midi, c'est plutôt l'heure, on utilise le four micro-ondes. Alors, vous allez me dire, il y en a qui sont à 8h, bah, chez nous aussi, au labo, hein, les gens qui viennent, après, il y en a beaucoup à midi, après, il y en a à 4h, etc. Il y a quand même un pic autour du lunch. Donc, c'est quand même curieux. Donc là, c'est plus long des péritios, mais c'est long du four micro-ondes. Donc là, en science, hein, on détecte quelque chose, on imagine, donc ensuite, pour vérifier, on prédit, et ensuite, on refait. Donc, ils ont essayé de produire des péritios. Donc les tests, ils sont allés regarder où étaient les fours. Donc, il y avait 3 fours. Un four au niveau de l'observatoire, un dans le local visiteur et un dans la cantine. Bon, je vous passe tous les détails. Les gens étaient très pugnaces. Ils ont attendu des opérations de maintenance du radiotélescope pour pouvoir travailler. Et puis ils ont essayé le 27 février, rien. Ils ont quand même recommencé le 12 mars, rien. Ils auraient pu arrêter là. Mais non, c'est des tenaces. Hein. Donc ils y retournent le 17 mars. Et là, ça marche. Ils en font 3. Disons, coup sur coup. Et en fait, l'astuce, c'était d'ouvrir la porte. C'est bizarre, hein, mais c'est tordu, mais parce qu'un four micro-ondes, ça fuit, mais pas tant que ça. Très peu. Et ça s'atténue. Par contre, ce qui se passe, le phénomène est observé quand on ouvre la porte. Quand on ouvre la porte, bah, c'est comme votre frigo. Votre frigo, ça allume la lampe.
sur le four micro-ondes, ça coupe l'alimentation du magnétron. Donc on coupe la haute tension, il y a les capas qui continuent de... Et donc le magnétron se trouve un peu en danseuse, je vais dire. Hein. Et puis il a plusieurs modes de fonctionnement, donc il va osciller autour de ça. Et puis ça va créer mon fameux signal. Alors il y a quand même une anomalie, je le dis tout de suite, c'est qu'en fait c'est le signal à 2,45. Donc ça c'est la signature du magnétron. Maintenant ce qu'on mesure c'est 1,4. Le magnétron n'émet pas 1,4. Donc ça reste quand même un petit peu mystérieux. Et puis surtout la signature en F-2. F-2, cette fameuse signature avec dispersion. Alors l'hypothèse, c'est qu'il y a un arc. Nous, au labo, ça nous arrive souvent. Donc c'est fort probable qu'il y a un arc au niveau du magnétron. L'arc ionise l'air et me fait donc le phénomène de dispersion en U-2. Ce qui vous dit que finalement, il faut peut-être s'en méfier un peu des signatures. Bon, voilà. Alors, voilà le péritio. Maintenant, vous commencez à connaître, vous voyez qu'il a une sale tête, hein, parce qu'il n'a pas du tout la voix de Kolmogorov là, sur la largeur de pulse. Hein, il a une sale tête, hein, clairement. Quand on le sait, après, on sait les reconnaître. Donc, ce n'est pas un bio, ça. Donc, quelques statistiques. Donc, vous avez en gris et clair les péritio. Les autres, c'est les vrais, hein, les labels rouges. Donc, ça, c'est en fonction du DL. Alors, il y a une grosse polémique, parce qu'on se dit, Lorimer, il est là. 373. Donc, il y en a qui ont dit, peut-être que celui de Lorimer, c'en était pour un, finalement. Parce que tous les vrais, ils sont largement au-dessus. Ça veut dire qu'ils sont beaucoup plus loin que ce qui a été annoncé. Ils sont à 3, 4 milliards d'années-lumière. D'accord ? Donc voilà, donc ça c'est une vraie question. Ensuite, d'autres statistiques en fonction de l'heure. Bon, ben ça, vous avez vu, hein, les péritios passent à midi, ça c'est clair. Et donc en 2015, sur les 65 publiés, hein, officiellement, il n'en reste plus que 15. Hein. Donc voilà, comme je dis sociologiquement, il faut se méfier, ils sont bien fait blouser. En micro-ondes, on se fait facilement blouser. Je pense que mon collègue ne dira pas le contraire. On a vite fait de mesurer des trucs, et puis que les trucs, ce ne soit pas tout à fait ce qu'on croit. Hein. Alors, radioastronomie, voilà. Donc, les faits aujourd'hui, on en est où ? Il y a un catalogue qui a été fait par Petrov. Vous pouvez aller sur Internet, FRB4, pardon. Donc, il y a 54. Hein. Moi, je m'y perds un peu dedans, parce que ça, c'est... j'ai essayé de faire des statistiques, mais après, j'ai arrêté, parce que, voilà. Donc, il y en a a priori 54. Il y en a un seul qui est répétitif, tiens. Donc c'est le 121-101, c'est la seule connue pour le moment. Elle a eu 200 sursauts, donc c'est pas rien. Il y en a 70 d'ailleurs, 76 qui ont été trouvés grâce à l'intelligence artificielle pour traiter les datas. Provenance, là on sait d'où ça vient, une galaxie naine, 3 milliards d'années-lumière, voilà. Et puis variabilité fréquentielle, c'est pas toujours la même fréquence, ça c'est curieux aussi. Et puis là, un petit mot des gens du CETI-Rolodid, parce que, bon, évidemment, il y a des gens qui délirent sur une éventuelle activité intelligente extraterrestre, donc ça, moi, je ne peux pas dire, hein, voilà. Donc, j'en ai terminé le fin mot de l'histoire, et puis j'ai une épilogue, parce que je l'avais promis, hein, on regarde pas le ciel, on l'écoute. Donc, la petite manip technique, je vais changer, je vais fermer ça, si j'y arrive. Enfin, vous ne l'avez pas à l'écran, c'est pas plus mal. Et donc, je vous propose un panorama acoustique rapide, hein, rassurez-vous, je suis dans les temps, de toute façon, à peu près. 1h15, on avait dit. Donc, épilogue, écoutez l'univers. Donc, on va d'abord on va être dans l'environnement terrestre. Dans l'environnement géomagnétique terrestre, il se passe beaucoup de choses. Il y a d'abord les aurores boréales, bon, qui sont esthétiquement très jolies, vous avez une photo ici. Mais ça émet aussi radioélectriquement, ça émet des sons acoustiques. Alors qu'on soit d'accord, il n'y a pas de son. Évidemment dans l'univers parce qu'on est dans le vide, hein. Donc on a des fréquences radio, par contre vous avez l'habitude d'écouter la radio sur un poste de radio et donc de transcrire ça sous forme acoustique. C'est ce qu'on va faire, c'est pas de la sonification. Il y a des gens qui font de la sonification, qui vont prendre une étoile variable et qui vont transcrire ça sous forme acoustique. Là c'est pas ça, c'est les ondes telles qu'elles sont reçues par le récepteur et qu'on va écouter, hein, en les envoyant donc dans un haut-parleur tout simplement. Donc les aurores. Donc c'est ce qu'on appelle des siffleurs. Donc ça craque, ça siffle. Hein. Donc ensuite, vous avez le vent solaire. Donc l'activité solaire se fait quasiment sur tout le spectre. Elle est très très forte. Hein. On ne s'en rend pas forcément compte chez nous, mais selon les endroits de la planète, les gens, les pilotes d'avion, par exemple, tous ceux qui font UHF, VHF, etc., savent très bien ces problèmes-là. Donc là, vous avez le vent solaire. Donc ça ressemble vraiment à du vent. Hein. Donc c'est très gênant hein, sur les télécommunications. Là, vous avez ce qu'on appelle des bursts. Hein.
ça ressemble à une mini-explosion, c'est des variations en fréquence très rapides. Et puis vous avez donc dans les bursts, il y en a plusieurs types, donc j'ai choisi de vous faire écouter un type 3. Donc vous savez lire maintenant les waterfalls, hein. Là vous avez la fréquence, là le temps. Donc un type 3, c'est ce truc-là, donc ça descend d'un coup hein, en fréquence, vous voyez, sur un temps très court, vous avez une variation de fréquence très conséquente, donc ça ressemble un peu à une explosion. Voilà, ça c'est le soleil, donc c'est l'activité de la couronne, hein, donc les champs magnétiques hein, avec toute la matière qui... Ensuite, on s'éloigne. Jupiter a une activité radioélectrique. Hein. Donc là, c'est des enregistrements qui proviennent de sondes hein, qui se sont baladées. Donc ça, c'est le vent de Jupiter, entre guillemets. Donc c'est assez... une espèce de draperie sonore. Alors ici, vous l'avez en stéréo. Vous avez du 23 et du 22 MHz entre gauche et droite. Alors bon, au casque, c'est flagrant. Vous avez vraiment l'impression d'être sur de l'eau. Puis de temps en temps, vous avez des trucs qui viennent à gauche, qui viennent à droite. Hein. Donc c'est du bruit radioélectrique. Ensuite, on a Encelade. Alors Encelade, bon, je ne peux pas tout vous faire écouter. Encelade, c'est assez étonnant. Je pense que Vincent, en plus, connaît bien. Il en a parlé plusieurs fois. C'est assez étonnant, les émissions qui proviennent d'Encelade. C'est assez violent. Alors, après, on attaque les pulsars. Alors, les pulsars, je veux dire, ça, c'est une vue d'artiste, hein. C'est un système qui fait une émission, disons, très très focalisée sous forme de faisceau. C'est en rotation. Et nous, vu de la Terre, on voit passer le faisceau de manière régulière. Donc ce sont des horloges excessivement précises qui sont suivies, qu'on espère utiliser pour voir passer les ondes gravitationnelles. D'ailleurs, il y a beaucoup d'expériences en cours à ce niveau-là. Donc là, vous allez entendre un pulsar classique. Donc c'est une balise radio hein, qui vient du fin fond de l'univers, hein, comme vous avez vu. C'est assez impressionnant, je trouve. Ce petit signal micro-ondes hein, qui a été émis peut-être 1 milliard d'années nous arrive. Alors, la nébuleuse du crâne, bien connue. Alors, évidemment, si vous écoutez ça pour les plus jeunes, là, sur la chaîne des parents, votre père va être affolé parce qu'il va dire le tunnel est mort, enfin, il se passe des trucs bizarres. C'est un pulsar qui est très, très rapide, hein. C'est pas forcément très agréable à écouter. Et puis, je termine avec le nuage de Magellan. J'ai démarré avec ça, j'y retourne. Alors avec NGC 104 ou 124, je ne sais plus, un mag globulaire, non plus bon, qui est un pulsar très très rapide en millisecondes, donc la milliseconde on n'entend pas. Par contre on va avoir un phénomène de battement, parce qu'en fait la fréquence est très précise, mais l'amplitude varie, donc ça va me faire un espèce de bruit très surprenant, et on se quittera là-dessus. Voilà. Ça fait du Vangelis un peu, hein, des années 70. Et ça a 15 000, ça a été mis à 15 000 années-lumière, hein. Enfin 15 000 années. La lumière a mis 15 000 ans pour venir. Voilà. Donc c'est un son fossile, enfin un signal fossile. Voilà. Voilà. Donc j'en terminerai là-dessus. Donc je vous remercie. Alors, un petit mot. Non, attendez, merci de votre attention. Et peut-être pas, plutôt merci de votre écoute. Hein, logique. Alors j'ai quelqu'un à remercier qui s'appelle F6FKN. Hein, c'est son nom de guerre, donc c'est un radioamateur. Donc alias Alain Laurent. Il m'a donné beaucoup d'infos sur le côté télécom. Et puis surtout, je veux qu'on donne un grand merci à la salle, parce que si on est là tous les mardis, c'est grâce à eux, ils organisent une fois par mois une conférence hein, sur l'astronomie, c'est pas forcément évident. Donc c'est eux qu'il faut remercier, c'est eux qu'il faut applaudir. Donc Vincent, Eric, et puis Dominique, et puis tous les autres. Hein, Dominique à la technique, parce que bah, c'est grâce à eux qu'on est là, puis c'est grâce à eux qu'on a les conférences d'astronomie en Bourgogne, et c'est pas forcément si évident. Il faut beaucoup de dévouement. Et encore bravo. Voilà, merci.